Bonjour. MO lance, avec le soutien de la librairie MOLA, la première bibliothèque dédiée à l'impact positif. En fait, l'idée, c'est de solliciter un certain nombre d'auteurs, de chercheurs, de scientifiques, de start-upers sur les ouvrages qui les ont marqués et de les recommander à d'autres. Donc, c'est un objectif de curation. Et ça va se matérialiser par une bibliothèque physique qui va réunir plus de 3000 ouvrages à Moreau, en Normandie, à Caen. Et également une page web sur laquelle vous pourrez retrouver l'ensemble des ouvrages qui seront recommandés par ces différents auteurs. En parallèle de ça, avec le soutien de la librairie MOLA, on a décidé de vous proposer tout un cycle de conférences ou de conversations, on va dire plutôt, avec un certain nombre d'auteurs sur des grands enjeux qui transforment notre monde et notre société. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'explorateur, chercheur, scientifique, cofondateur et président de Human Adaptation Institute, et qui vient de publier aux éditions de Noël Les clés de l'adaptation humaine. Christian Clos, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça fait presque 20 ans que vous explorez ce sujet d'adaptation à travers des expériences d'exploration, à travers des ouvrages que vous avez publiés, à travers des expériences dont on va pouvoir parler et qui ont été assez médiatisées dernièrement. Le mot de l'adaptation, c'est un terme qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, comme s'il était un peu nouveau et comme s'il reflétait aussi une forme de résilience, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas réussi à vaincre ou à maintenir le réchauffement climatique. Et donc, on va devoir arriver dans un monde sur lequel il va falloir s'adapter, mais qui n'est pas un monde idéal. Est-ce que c'est bien ça dont on parle quand on entend ce terme d'adaptation? Alors, c'est effectivement comme ça qu'il est considéré. On a souvent opposé adaptation et atténuation. Par exemple, on disait atténuation, c'est le succès. On a réussi à maîtriser les problématiques anthropoclimatiques. Et l'adaptation, c'est on a échoué. Et ça, c'est ce qui, à mon avis, a posé le plus gros problème et qui a tué la capacité que nous avions à faire face aux problématiques climatiques et d'ailleurs à tous les autres changements qui sont en train de s'opérer, parce qu'on parle beaucoup du climat, mais aussi les pollutions et autres. Pourquoi? Parce que pour atténuer, on doit changer. On ne peut pas atténuer sans transformer un certain nombre de nos caractéristiques de vie. C'est impossible. On ne pourra pas continuer de vivre exactement comme on fait en prétendant qu'on va polluer moins. Pour polluer moins, on doit transformer un certain nombre de choses, par exemple réduire nos transports ou les transformer, réduire notre manière de consommer ou changer notre manière de consommer de la nourriture, notre manière de consommer tout court les vêtements et autres. Et bien pour le faire, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de s'adapter. Et c'est là toute la clé de notre capacité à se transformer, à changer. C'est que pour cesser quelque chose qu'on apprécie, par exemple de manger de la viande, pour prendre un exemple parmi d'autres, ou de s'habiller à la dernière mode, où on change de vêtements tous les deux jours, eh bien il va falloir changer un certain nombre de contraintes, de manière de percevoir les choses, de manière de fonctionner, d'apprentissage différent. Tout ça, ce sont des adaptations. Donc pour atténuer, on doit adapter. Que ce soit nous en tant que nos comportements ou nos systèmes sociaux qui aujourd'hui sont aberrants par rapport à la réalité du climat. Et vous citez plusieurs types de changements systémiques, donc celui qu'on a en tête principalement c'est celui du réchauffement climatique, mais est-ce qu'il en existe d'autres? Oui, alors d'abord le changement climatique c'est un des grands changements environnementaux. C'est important de rappeler qu'aujourd'hui, ce qui étouffe la Terre, c'est la pollution, les plastiques, les produits chimiques, et qu'il y a bien d'autres problématiques environnementales au-delà du climat, qui certes est un peu le vecteur chapeau, et qui est tellement focalisant qu'on en oublie tout le reste. Alors que je dirais qu'aujourd'hui, on peut nier, certaines personnes le font, dire « Ah, mais c'est pas de notre faute si le climat se réchauffe et tout ça. » Bon. On ne va pas rentrer là-dedans parce que tout prouve que c'est bel et bien en raison humaine, mais même si on n'y croit pas, on est tous d'accord que tout le plastique qu'on produit et tous les produits chimiques qu'on produit, personne ne peut dire que ça, c'est la nature qui le fait. Non, c'est bien nous les humains, donc on a un vrai enjeu là-dessus. Mais effectivement, au-delà de l'environnement, il y a tous les enjeux de ces grands changements systémiques qui sont en train d'arriver. Le premier d'entre eux, c'est l'intelligence artificielle générative, donc les nouvelles technologies. Et dans ces nouvelles technologies, on a ces intelligences artificielles, mais on a aussi des nouvelles médecines. La capacité aujourd'hui de travailler sur le génome, de travailler sur la génétique. Bref, ce sont des changements profonds qui vont impliquer des manières totalement différentes d'appréhender nos vies dans le futur. Et ça, je dirais, on l'oublie un peu. Puis enfin, on a ces grands changements sociétaux. Alors ça, c'est pas nouveau, hein. On a toujours eu des grands changements sociétaux. Aujourd'hui, on redécouvre un peu quelque chose qu'on pensait avoir oublié, ce sont les grandes guerres, ce sont les famines, ce sont les grandes épidémies. Alors, elles n'ont jamais cessé d'exister, mais elles avaient réussi à se réduire au fur et à mesure du temps et effectivement à impacter peut-être un petit peu moins l'Occident, donc on les avait un petit peu oubliées. Et bien aujourd'hui, ça revient en force, malheureusement,
Et si on prend ça ensemble, l'environnement, les nouvelles technologies et ces changements sociétaux, ça fait beaucoup d'un coup. Et là, on doit rajouter quand même tout ce qui nous concerne à titre personnel. La perte d'un proche, un déménagement, changement d'un travail. Donc si on fait cette accumulation de tous les changements qui nous touchent aujourd'hui en tant que personne, c'est gigantesque à gérer. On a l'impression que les choses se sont en particulier accélérées suite à la crise Covid. Comme si, en fait, cette étape-là qui devait normalement faire émerger un monde meilleur nous a ramené à plus d'individualisme, à plus de protection. Est-ce qu'il y a eu une étape dans l'histoire humaine récente, hein, et est-ce que cette étape, est-ce que cette crise Covid est une séquence importante dans cette logique d'adaptation? Oui, la crise Covid, c'est clairement une séquence importante pour trois raisons. La première, c'est que c'est la première crise depuis très 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 longtemps qui touche au même moment le monde entier. Pas un seul pays n'a été épargné par la crise Covid, et ça fait très longtemps qu'on n'avait plus quelque chose d'aussi systémique qui allait toucher chaque pays de la planète, chaque humain quasiment. Le 29 avril 2020 est quand même une date fondamentale où 5 milliards de personnes, donc bien plus d'une moitié de la planète, est confinée chez elles. C'est unique, ça n'a jamais été connu dans l'histoire humaine. Donc ça a forcément créé énormément de questionnements par rapport à ce que nous sommes en tant qu'humains, à ce que nous allons être dans le futur. Est-ce que le futur va être fait dorénavant d'obligations de confinement, de plus pouvoir se évoluer comme on le désire, de perte de liberté? Et ça, la liberté, elle est quelque chose de très ancré en nous en tant qu'humains. Et soudainement, on a remis en cause. Ça, c'était le premier grand changement de la COVID. Le deuxième changement, c'est qu'effectivement, elle nous a donné l'illusion que tout allait changer. Et d'ailleurs, on le voyait dans les premiers temps des confinements, c'était « on va construire le monde d'après » avec un espoir fabuleux. Et j'ai trouvé ça beau. La problématique, c'est qu'on n'a pas su maintenir ça parce que la Covid a trop été imaginée comme un temps court. On a pensé, et d'ailleurs c'était en France, on a appelé au premier confinement pour 15 jours. C'était une erreur majeure parce qu'on savait bien que ça n'allait pas durer que 15 jours. Mais on a voulu donner l'illusion aux gens que ça allait passer assez vite. Du coup, les gens se sont projetés dans une idée, ok, on va tenir le choc quelques temps, 15 jours, un mois, et après on construit. Et ce n'est pas ce qui s'est passé, on le sait bien. Et forcément, le découragement arrive. Quand quelque chose qui crée un espoir ne survient pas, alors le découragement prend place. Et à partir de là, on a beaucoup de mal à reconstruire. Et c'est ce qui s'est vraiment passé avec d'abord cette envie du monde d'après, et puis très rapidement, le besoin de retrouver le monde d'avant, celui qui nous paraissait plus sécurisant. Mais je dirais, il y a un troisième point sur la Covid, et c'est peut-être le plus important pour nous, c'est que la crise Covid n'est pas terminée. Une crise, un événement aussi marquant que ça, demande du temps pour être intégré par les populations, pour être complètement paramétré, compris, et quelque part pouvoir provoquer les changements nécessaires qui vont en découler. Et je pense que les vrais changements de la crise Covid, on va commencer à les voir maintenant, et dans les quelques années à venir, certains vont être extrêmement négatifs, notamment, on commence à le voir, avec des faillites d'entreprises qui ont tenu le choc pendant la Covid parce qu'il y avait des soutiens, des aides et autres, et qui malheureusement aujourd'hui vont peut-être tomber. Mais d'autres choses qui vont découler de ça, parce que maintenant on va pouvoir tirer les conclusions, on va pouvoir tirer les compréhensions de cette période-là. Et je pense qu'on va quand même en tirer quelque chose de bénéfique. Mais la question c'est, comment avons-nous envie de créer ce bénéfique? Et c'est toute la question qu'on doit se poser aujourd'hui de manière nationale, internationale d'ailleurs. Donc la crise Covid, c'est un révélateur, ça a surtout mis l'accent sur quelque chose qu'on pensait bien lointain de nous, c'est ces grandes crises qui changent tout. Donc ça nous a mis devant une réalité qu'on a du mal à accepter encore aujourd'hui, mais qui va découler dans quelques années sur quelque chose. Il y a aussi une notion, j'ai l'impression, de responsabilité, c'est-à-dire que responsabilité individuelle ou collective. Pourquoi moi, je devrais faire un effort, je devrais travailler sur moi, alors que l'autre ne le fait pas? Et finalement, est-ce que ce n'est pas à l'État, au gouvernement, aux organisations, d'imposer quelque chose, que je ne souhaite pas d'ailleurs, pour pouvoir enclencher une transformation, une accélération à laquelle je devrais finalement m'adapter? Alors l'adaptation, c'est toujours un aller-retour entre des décisions individuelles et des décisions collectives. C'est vrai que, on va prendre un exemple plus trivial que tout le monde comprend bien, si on prend la cigarette. Si je fume, je dois arrêter de fumer. Ça, je dirais, tout le monde est assez d'accord là-dessus. C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour l'environnement. Donc, je devrais arrêter de fumer. Si, comme dans les années 60, 70 ou autres, on me présente la cigarette comme la quintessence de la liberté, comme le cow-boy qui se balade dans les grands espaces, et puis que ça va être même bon pour ma santé, comme certaines publicités le disaient dans les années 70, pourquoi j'arrête de fumer?
C'est bon pour moi, la société, la collectivité me dit « Waouh, si tu fumes, tu auras une meilleure santé et tu seras libre dans les grands espaces. » Donc à partir de là, c'est très dur individuellement de faire le chemin d'arrêter. En revanche, au moment où je commence à avoir les informations que la santé est mise en danger et que la liberté est bien loin de la cigarette, alors le comportement individuel va devoir reprendre le dessus. Et parce que j'entame un comportement individuel, je vais obliger le collectif à lui aussi se re-questionner par rapport à ça. Donc c'est vraiment toujours des allers-retours entre ce que donne le collectif et ce que moi j'offre en retour. C'est une double responsabilité. Et j'admets qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression que cette double responsabilité échoue à la fois chez l'individu, mais aussi dans le collectif. Le collectif, qui est censé être mon modèle, le centre de mes compréhensions, c'est-à-dire que la confiance que j'accorde au collectif, me permet d'agir individuellement. Et cette confiance, elle demande de l'exemplarité. Elle demande de la stature, de la prestance. Elle n'existe plus aujourd'hui, cette confiance. Et donc, il va falloir d'abord restaurer la confiance du collectif et ensuite pouvoir effectivement agir au quotidien de manière individuelle. Les deux sont nécessaires, mais on a besoin aujourd'hui vraiment d'un collectif qui reprend le chemin d'une volonté future. Est-ce que la donnée scientifique qui est aujourd'hui discutée, ce n'est pas la clé de ce qui permet ensuite de créer ce collectif ou des discussions? C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord sur un état de fait, comment est-ce qu'on peut être d'accord sur les chemins à prendre pour corriger le tir ou s'adapter ou accélérer dans un sens qui soit bénéfique pour tous? Bien sûr, la donnée scientifique, elle est une base de compréhension, de connaissance. On sait que le climat aujourd'hui est largement influencé par l'acte humain parce que la data scientifique nous a permis de le comprendre, comme on sait aujourd'hui que la cigarette est mauvaise parce que la science nous l'a dit. Mais la science, elle évolue à son rythme. Elle peut être parfois un peu lente par rapport à une problématique. C'est-à-dire qu'au moment où je commence à étudier quelque chose, il va me falloir des mois, des années, parfois des décennies pour arriver à comprendre vraiment un fonctionnement. Et le politique et le système citoyen ne peut pas toujours attendre autant de temps. Donc il va falloir aussi savoir prendre des décisions sans toujours avoir toutes les informations. Et c'est ça, c'est là la force du politique, que de savoir évaluer des faisceaux de présomptions suffisamment forts pour arriver à une première décision. Mais là arrive la problématique majeure de nos sociétés, c'est que cette décision qui n'est pas encore étayée par toutes les informations nécessaires va devoir évoluer et changer. Et ça, on a de moins en moins d'acceptation là-dessus. On préfère avoir une décision ferme, claire et précise dans laquelle je m'engouffre et puis que ça ne change pas trop après, parce qu'on n'aime pas vraiment le changement. Or, une décision telle que dans un monde qui va aussi vite va devoir être prise selon les données que l'on a à un moment T. Et ces données, demain, elles peuvent avoir changé. Donc bien sûr qu'on a besoin de la connaissance scientifique et elle est indispensable. Et aujourd'hui, les personnes qui sont en train de dire que la science n'est plus nécessaire ou qu'au contraire, elles se trompent. Oui, elles se trompent, la science, parfois. Ça arrive. Mais c'est normal dans un processus de recherche et de compréhension. Il faut aussi accepter que lorsque le consensus scientifique existe, on peut s'y engouffrer sans trop de difficultés. Il existe pour le climat, il existe pour l'environnement, il existe pour beaucoup de choses, mais il n'existe pas pour tout. Il n'existe pas pour l'intelligence artificielle générative, par exemple. Entre celles et ceux qui disent que ça va sauver la planète et celles et ceux qui disent que ça va nous détruire, ce sont des scientifiques dans les deux cas qui ont des visions un peu différentes et des manières de chercher différentes. Donc c'est aux politiques et aux citoyens, ensuite, de se faire son faisceau d'imaginaire et de construire dessus. Cette notion d'imaginaire, vous en avez parlé en citant, par exemple, le cow-boy et la cigarette, qui est un imaginaire. Bien sûr. On entend aussi beaucoup ces nouveaux imaginaires, cette logique d'utopie, comme si, en fait, c'était des mécaniques qui nous permettraient de voir plus loin, d'espérer une société différente et qui allaient nous guider vers des actions qui soient positives, collectives, pour arriver à construire ces nouveaux imaginaires. Donc la place des nouveaux imaginaires, elle semble être absolument clé dans la logique d'adaptation et dans la logique de société qu'on veut créer demain. La capacité de projection mentale est clé. Alors forcément, quand on parle de projection mentale, on parle souvent d'imaginaire, de constituer un corpus d'un monde qui n'existe pas encore. Et oui, c'est fondamental, parce que le cerveau humain a toutes les qualités et les défauts qu'on peut lui imaginer, mais parmi elles, il a besoin d'avoir un objectif, d'avoir une raison d'agir. La question est très simple, et je peux la poser à n'importe qui. Est-ce que si ton action, tu sais qu'elle va aller vers quelque chose de moins bien que ce que tu as aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment envie de te battre comme un fou pour y arriver? La réponse peut être oui de manière façade, mais dans la réalité, elle est non pour le cerveau. Je ne me bats pas pour aller vers le moins bien. Je me bats pour aller vers quelque chose qui est, sinon aussi bien, souvent meilleur que ce que j'ai aujourd'hui.
Donc la question, c'est comment définissons-nous ce meilleur? C'est sûr que si pour nous le meilleur, c'est toujours plus de machines, d'outils, de consommation et autres, bah, on n'arrivera pas à faire face et à aller au-devant de ces problèmes climatiques que nous avons et de la pollution générale. L'imaginaire qu'on doit recréer aujourd'hui, c'est quelle est cette définition du meilleur pour lequel je suis prêt à me battre? Passer plus de temps avec ses proches, être plus longtemps dans la nature, récupérer du temps alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est lui qui me guide et plus moi qui gère mon propre temps. On peut imaginer plein d'imaginaires. Mais ce qui est certain, c'est qu'on doit donner un espoir, une vision du possible. Et c'est ce à quoi, à mon avis, on a échoué depuis maintenant presque 40, 50 ans, 60 ans qu'on connaît tous les problèmes climatiques. Et ce n'est pas une critique pour les anciens qui ont tenté. Il fallait essayer des choses, mais on sait aujourd'hui que l'humain n'agit qu'en fonction des émotions qu'il ressent et que si les émotions sont négatives, il a tendance à ne pas aller vers l'avant. Donc ces deux notions nous disent, oui, on a besoin d'un imaginaire. Maintenant, l'espoir en tant que tel de ce monde futur ne suffit pas. Il faut qu'il soit corrélé à des actes. Et c'est peut-être là qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé le chemin. Il y a les personnes qui nous donnent des actes très clairs, mais qui sont plutôt difficiles à mettre en œuvre parce qu'ils m'amènent une négativité. Il y a les personnes qui me parlent de nouveaux imaginaires et qui créent des mondes fabuleux dans le futur, mais qui ne mettent pas tellement de concret derrière pour le créer. Et donc, il va falloir aller faire corréler ces deux mondes pour faire travailler ensemble celles et ceux qui ont des actes concrets et celles et ceux qui sont capables de nous les mettre en perspective d'un futur meilleur. Là, on y arrivera. C'est si on doit relier, par exemple, à des sujets politiques, c'est un peu tout ce qu'on entend sur l'écologie positive, donc raconter un nouveau récit qui ne soit pas le monde dans lequel on vient sera plus terrible que le monde dans lequel on est. Donc cette logique d'imaginaire, cette logique de vision, de perception, elle semble absolument essentielle. Elle est essentielle, mais elle doit s'appliquer à 8 milliards de personnes. On ne peut pas construire un imaginaire de petits groupes qui vont se rester dans la nature ou de personnes qui vont s'isoler, qui vont revivre de manière autarcique avec l'échange et le troc, qui est un monde fabuleux. Mais ça ne correspond pas forcément à 8 milliards de personnes. La vraie question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on arrivera à accompagner les 8 milliards de personnes sur cette planète pour que cet imaginaire collectif soit bon pour tout le monde. Bien sûr, on sait que ce sont les personnes les plus riches qui polluent le plus. Pas de doute là-dessus, on ne va pas mettre sur le dos des personnes qui cherchent à manger tous les jours la pollution de la planète. Mais ces personnes-là, quand elles pourront se développer un petit peu, vers quoi va-t-on les aider à se développer ou vers quoi va-t-elles elles-mêmes se développer? Vers un imaginaire qu'il faut avoir des objets pour être heureux, ou vers un imaginaire qui va faire qu'elles vont réussir à grandir, parce que le but n'est pas qu'elles restent dans une situation de difficulté, tout en évitant les écueils que nous avons provoqués et que nous avons créés durant ces 60 dernières années. Après, il y a également la notion de rôle modèle. C'est-à-dire que si on regarde les influenceurs, certains influenceurs qui sont plutôt sur une logique consumériste, et puis si on se focus sur les plus riches d'entre nous, les ultra-riches d'entre nous, qui aujourd'hui vivent dans une forme de richesse abondante et qui vont acheter des yachts. On n'est pas dans ce récit-là. Je ne critique pas ce qu'ils font, mais on n'est vraiment pas dans ce récit. On peut quand même critiquer un peu, mais on a le droit. Enfin, c'est pas de vouloir éliminer ces personnes que de les critiquer ce qu'elles font. La question, c'est effectivement à quoi j'utilise l'argent qui m'est à disposition, puis surtout quel est le rôle que je me donne par rapport à la société. Il est vrai que c'est quand même assez facile de se dire « Ouais, mais attendez, moi j'ai de l'argent, je peux faire ce que je veux. De toute façon, grâce à mon argent, on va créer des nouvelles technologies qui vont sauver la planète. » On a un peu ce discours aujourd'hui. La technologie va sauver la planète. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus de technologie. Ce n'est vraiment pas le cas parce que oui, il y a des technologies qui vont aider à la planète. Et puis, on ne veut pas, et cette erreur, enfin cet imaginaire stupide, mais qui n'existera pas, le fameux retour à la bougie où on arrêterait toute la technologie. Tout ça est faux, évidemment. La question, c'est quel est le rapport qu'on arrivera à créer entre la technologie nécessaire, celle qu'on va devoir continuer à utiliser, et je ne suis pas du tout parmi les personnes qui disent qu'il faut arrêter de voyager, par exemple, parce que je pense qu'on a besoin d'aller rencontrer l'autre, que le repli sur soi est la pire des choses qu'on pourrait faire pour construire une planète où justement les humains sont capables de coopérer à la lumière. Ça, c'est un premier point. Mais évidemment, il faut arrêter de voyager à tort et à travers n'importe comment. Donc, c'est un équilibre qu'on doit trouver. Et cet équilibre, ces rôles modèles doivent aussi le trouver. Et j'ai du mal à comprendre aujourd'hui ces jeunes ou moins jeunes influenceurs ou influenceuses qui nous vendent tous les bienfaits de tout le commerce qu'on peut acheter sur cette planète. Bien sûr que ça va devoir changer. Maintenant, c'est aussi notre apprentissage de savoir qui on a envie d'écouter.
Parce qu'il y a aussi énormément d'influenceuses et d'influenceurs qui nous montrent une autre image. On a beaucoup entendu parler de Greta Thunberg, qui est un peu le symbole de cette génération nouvelle, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres qui nous montrent un message différent. La question, c'est, as-tu envie de les mettre en avant? As-tu envie de les accompagner? C'est sûr que si on attend sur Instagram, sur Facebook ou autre de les accompagner, ça ne marchera pas. Donc c'est peut-être aussi à la collectivité, aux États, au système, d'aider ces personnes qui ont un autre message à faire passer pour le faire passer. Et on arrive là au cœur du problème du changement, c'est l'éducation. On pourra faire ce qu'on veut, créer les technologies qu'on veut, mettre en place des lois, des règles, des restrictions, tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas une éducation qui permet de comprendre la grande problématique et de justement savoir vers où je dois me diriger, alors on n'y arrivera pas. Qu'est-ce qui permet à une personne de changer ? Changer, c'est la chose la plus difficile pour un humain. Même quand il n'aime pas ce qu'il vit, il a du mal à mettre en place un parcours pour changer. Pourquoi ? Parce que ce parcours va passer par plusieurs phases. Et que ces phases, elles ne sont pas toutes agréables. Même quand on n'est pas très content de ce qu'on a, il va falloir passer par des phases de perte, de deuil. Parce que changer, c'est perdre quelque chose pour gagner autre chose. Mais on ne peut pas passer par la phase de « Ah tiens, je vais gagner ça » sans accepter la phase de « Je vais perdre ça ». Donc le changement passe par un mécanisme adaptatif de plusieurs phases. La première phase, qui est toute simple, c'est l'acceptation. Je ne peux pas accepter d'entamer un parcours de changement si je n'ai pas accepté la condition réelle dans laquelle je vis. Et cette acceptation, ce n'est pas une résignation à cette condition, c'est de la prendre pour ce qu'elle est, dans son exactitude. Et là, on est dans le premier problème. Est-ce que je crois ou non à la problématique climatique environnementale ? Si oui, que j'accepte cette réalité, alors je peux commencer un parcours d'adaptation. Sinon, ben non, parce que je ne verrai pas pourquoi je vais changer alors que je ne considère pas qu'il y a un vrai problème. Une fois que j'ai accepté, souvent il y a cette première phase de « Waouh, qu'est-ce que je vais faire ?» Il y a ce qu'on appelle une phase d'intérêt. Donc je vais m'intéresser à la question, je vais aller chercher, je vais creuser, je vais me former peut-être, je vais recevoir plein d'informations. Et ce plein d'informations, il va me dire trois choses. La première, ben regarde, oui, quand tu vas changer, tu vas perdre ça. Donc, il faut une phase de deuil. Ensuite, il y a une fatigue cognitive qui va s'installer parce que ben, on reçoit des nouvelles informations, des nouvelles données, des nouvelles problématiques. Et forcément, derrière, le cerveau qui a beaucoup travaillé va tomber en fatigue. Et à un moment donné, je ne sais plus comment agir. Nous, on parle d'une phase d'apathie. On parle aussi peut-être de solastalgie, par exemple, ces personnes qui aujourd'hui sont dans une sorte de panique climatique, où ce n'est pas de la dépression, l'apathie, c'est ce moment où le cerveau, il a reçu des infos, il doit essayer de les traiter, il est en fatigue, il ne peut plus prendre des décisions avec acuité, il ne peut plus vraiment emmagasiner de nouvelles informations. Il va falloir sortir de cette apathie, parce que l'apathie, on y est bien. En fait, c'est un état où je ne fais plus d'efforts. Donc je ne fais plus l'effort de comprendre, je ne fais plus l'effort de décider, je me laisse aller dans un système qui n'est peut-être pas bon, mais dans lequel je ne sais pas quoi faire. Je postule qu'on est en apathie depuis 60 ans en Europe, par exemple, mais c'est un autre débat. À titre individuel, cette apathie, elle va devoir être contrecarrée par un événement, quelque chose qui me permet de redonner envie de me battre, justement, cet imaginaire futur, et ça, c'est quelque chose qui doit être positif. Moi, j'appelle ça l'épiphanie, l'émerveillement, ce moment où j'ai un déclic peut-être, quelque chose que j'aime, une personne qui me parle, une coopération avec d'autres personnes, ça peut être beaucoup de choses, qui va me redonner quelque part comme le contact nécessaire pour « Ok, j'étais là, je vais commencer à reconstruire. » Et là, on est en phase de construction qui va me permettre de mettre en place ma transformation. Toutes ces périodes, acceptation, phase d'intérêt, phase d'apathie, épiphanie, émerveillement, reconstruction, ça ne se fait pas en 5 minutes. On a vu que c'était à minima une quarantaine de jours, quand tout le mécanisme se fait correctement, pour un individu isolé. Et puis ça peut être beaucoup plus long, selon la longueur de la phase d'apathie, puis surtout la longueur de la phase d'acceptation. Ça peut prendre des années. Ça, c'est ce que vous avez observé dans les différentes expériences ? Ça, c'est vraiment ce qu'on voit dans les différentes expériences, comme dans Deep Time, où on a mis 15 personnes pendant 40 jours dans une grotte, dans Deep Climate, où on met 20 personnes dans 3 milieux différents pour voir comment les climats influencent, et puis dans beaucoup d'autres travaux qui se sont faits dans différents milieux. On arrive vraiment à cette notion qu'un mécanique, une mécanique d'adaptation, c'est 36-37 jours, quand on a commencé le parcours adaptatif, et ce parcours adaptatif, encore une fois, ne commence qu'à l'acceptation. Donc, tout le travail qu'on doit faire aujourd'hui, au-delà de changer et de faire changer les gens, c'est de générer l'acceptation de la situation. Et cette acceptation de la situation,
ne se génère jamais par une information. L'information, c'est de la technique. C'est quelque chose que le cerveau prend, qu'il emmagasine, et puis il passe à la suivante. Ce qui va déclencher quelque chose, la compréhension de ce qui se passe autour de moi, c'est une émotion sensorielle. Je dois ressentir dans ma chair le besoin du changement et donc accepter le parcours que je vais devoir entamer. Et c'est là que je crois qu'on se trompe depuis longtemps. Mais encore une fois, quand je dis ça, je ne dis pas les autres ont été nuls ou pas, simplement maintenant on a des nouvelles informations. On a souvent pensé qu'il suffisait de dire le réchauffement climatique, 2 degrés, 3 degrés de moyenne mondiale et tout ça. On a pensé qu'il suffisait d'informer les gens pour qu'ils entament ce changement. On sait aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Donc on va devoir maintenant, quand on parle de nouveaux récits imaginaires, on parle peut-être de ceux qu'on doit projeter dans le futur, mais on doit surtout aller chercher les micro-expériences, les petites choses. Qu'est-ce qui touche les gens pour leur donner envie de changer? Et si on va chercher ça, et si on va les toucher dans leur chair, dans leur âme, dans leur être, dans leurs émotions profondes, alors on fera changer les gens. La place de l'art là-dedans semble donc essentielle. Elle est donc essentielle, bien sûr. Toutes les personnes qui me disent la première chose que je peux éliminer dans une économie quand ça ne va pas bien, c'est l'art, c'est une erreur majeure. L'art fait partie de l'émotion, mais pas que. L'architecture quand elle est belle, un beau jardin, une belle nature, le comportement humain, ce moment où à l'école on est avec les autres, ce moment où on partage, tout ça, ce sont des émerveillements. Et on ne doit surtout pas s'en passer. A contrario, des producteurs, je pense à Luc Jacquet par exemple, qui a fait la marche de l'Empereur, qui a fait la glace et le ciel. Et Luc Jacquet, à un moment, il m'expliquait qu'il provoquait cette émotion-là. Et lorsque les gens sortaient du cinéma, ou ils l'avaient encore avec eux pendant 2, 3, 4, 5 jours. Puis ça retombait. Et sa frustration à lui était de dire comment je réenclenche derrière, une action. J'ai provoqué quelque chose et comment je les remets en action derrière. Pour qu'un livre, un film, puisse provoquer la décision du changement, il faut qu'elle s'adresse à une personne qui a déjà entamé un processus. Sinon, encore une fois, c'est une information aussi belle soit-elle. Je vois une très belle image, La Marche de l'Empereur, Dieu sait si ce film a fait rêver des millions de personnes, dont moi. C'était un film qui est absolument fabuleux. On se rend compte de cette vie absolument extraordinaire. On se dit, mais ça, il faut absolument le préserver. Puis ensuite, je sors. Et puis, je suis rattrapé par ma vie. Je suis rattrapé par mes problèmes, mes finances, les personnes qui m'embêtent ou que j'aime bien, mes propres difficultés, la perte d'un proche peut-être. Et puis, cette image qui n'est qu'une image va se disparaître, se feinter, comme on dit, dans le cerveau petit à petit. Ce n'est pas une émotion sensorielle en soi. Ça ne peut être une émotion sensorielle que si, par exemple, j'ai déjà vu physiquement, réellement, un manchot. Ou que j'ai eu dans ma vie un contact particulier avec la glace ou des choses comme ça. Donc malheureusement, ou que j'ai déjà entamé un processus vraiment fort de me dire bien sûr qu'il faut changer, mais quoi, pourquoi, est-ce que je suis vraiment prêt, est-ce que je suis prêt à souffrir dans le changement que je vais devoir vivre. Et là je vois ça, j'ai ok, maintenant j'ai ma raison, parce que je dois sauver ça. C'est ce que si je parle très bien su faire avec les baleines par exemple, et qui a su emmener des millions de personnes dans le monde au travers d'eux. Et malheureusement, avec la terrible action aujourd'hui du Japon vis-à-vis de Paul Watson, qui détruit intellectuellement ça. Mais je crois qu'au contraire, ça va plutôt redonner envie à plein de gens de se battre. Donc c'est, malheureusement, pour Paul, c'est terrible, mais pour l'idée, c'est peut-être pas si grave. Donc oui, malheureusement, le film en tant que tel ne suffit pas. Il faut que derrière, lorsque c'est montré dans une école, par exemple, parce que je sais que ça a été montré dans beaucoup d'écoles, il faut que derrière, les profs prennent les enfants, leur parlent, leur montrent des plantes, les emmènent dehors, les fassent vivre la nature. Si je reste dans ma classe, et puis que je passe aux mathématiques, puis à l'allemand, puis que j'oublie le film, alors il ne servira à rien. C'est malheureux, mais c'est vrai. Donc on doit aller chercher beaucoup plus loin aujourd'hui, ce qui va impacter émotionnellement les gens. Et Dieu sait si on a de quoi. On a une nature fabuleuse. On est en France. La France, c'est quand même un des pays qui a une des natures les plus foisonnantes, les plus diverses, les plus variés. Il n'y a pas un endroit de France qui n'est pas beau. Sortez les enfants des classes. Allez leur montrer cette nature. Donnez-leur de quoi toucher cette nature. Ça ne suffit pas de sortir, mais donnez-leur des plantes, donnez-leur des animaux quand c'est possible. Alors, je ne dis pas qu'il faut les mettre tous en classe, mais voilà. Allez chercher ce qui touche vraiment le contact physique, le contact dans la chair, et plein d'autres choses qu'on peut faire. Parce que c'est là qu'on va commencer à initier quelque chose de nouveau qui doit effectivement se compléter des informations, des données, des films, des livres, mais qui, encore une fois, doit être basé sur quelque chose de concret. En fait, c'est expérientiel. C'est expérientiel.
Et plus on multipliera les expériences, plus en fait on sera dans cette logique d'acceptation qui nous enclenchera sur les mécaniques que vous avez citées. Il y a cette nécessité-là. Alors après, comment est-ce qu'on fait vivre de l'expérience à tout le monde? Ce n'est pas toujours facile. Mais je dirais que là, on doit retravailler la manière de donner encore une fois l'éducation, de former les personnes, que ce soit en éducation initiale, puis ensuite continuer avec les entreprises. On doit redonner cette envie du goût, de l'acte, de l'effort, quelque part aussi. Hein. C'est un effort de changer. On ne change pas sans perdre et construire. Donc, c'est un effort. Et bien, ce goût de l'effort est peut-être quelque chose qu'on a un peu perdu, pour plein de raisons, je ne vais pas analyser aujourd'hui, mais qu'il va falloir aussi redonner. Et ça passe par quelque chose d'encore plus puissant. Et ça, on l'a montré dans toutes nos études. La coopération est l'élément le plus puissant pour permettre à une personne et donc une équipe de faire évoluer quelque chose. Et la coopération, elle se crée quand on crée des projets communs, quand on se donne un but commun, un chemin commun, et qu'on essaie d'avancer ensemble, et qu'on s'entraide pour le faire. Et c'est idée simple, si tout le monde n'y arrive pas, alors personne n'y arrive. Et moi, je n'y arrive pas non plus, même si j'ai atteint la ligne d'arrivée, ben, si d'autres sont restés derrière, c'est comme si je n'avais pas réussi. Cette notion de coopération, on va tous ensemble vers quelque chose, elle est fondamentale. Je pose une question simple à toutes les personnes qui travaillent avec le système scolaire aujourd'hui. Combien de projets on donne aux enfants à construire durant une année scolaire? Où ils sont obligés de coopérer, de faire ensemble, de construire, d'avoir des idées, de développer leur propre volonté et pas seulement celle qu'on leur donne. Combien de classes sont construites pour que les élèves se voient les uns les autres? Parce que la coopération se crée en se regardant et pas les uns derrière les autres. Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants si on ne leur donne pas la capacité de se voir et de faire ensemble? Pas grand-chose. Ce terme de coopération, il a un synonyme ou pas? C'est celui de collaboration. Est-ce qu'il y a une distinction à avoir entre les deux? Alors, je dirais, si on prend le dictionnaire, le petit Larousse ou au CNTL, il n'y en a pas vraiment, c'est faire ensemble. Moi, j'ai fait une distinction forte dans mes travaux de recherche et notamment de ce que j'ai écrit avec les adaptations humaines. Pour moi, je différencie la collaboration comme le faire ensemble. Et dès le moment où on est avec une personne, là, en ce moment, on collabore ensemble. Si je vais acheter mon pain chez quelqu'un, je collabore avec cette personne pour acheter le pain. C'est deux moments. Si la personne ne veut pas me vendre mon pain et que je ne veux pas lui donner d'argent, je collabore pas. La coopération, j'y mets un cran supplémentaire de cette volonté de vouloir faire avec et de vouloir aller ensemble. Et pour ça, ça veut dire que je vais devoir comprendre la personne qui est en face de moi. Je ne vais pas pouvoir me contenter juste de savoir vous êtes une personne et vous me posez des questions, c'est super, je suis content, puis on va repartir ensuite. C'est quelles sont les émotions qui nous animent ensemble? C'est quoi vos émotions? C'est quoi les miennes? Si je commence à comprendre les émotions de l'autre, puisqu'on sait que le changement est basé sur une émotion, alors je peux peut-être savoir ce qui va créer l'émotion nécessaire chez vous ou chez la personne qui est en face de moi pour l'aider à entamer le changement. Je dois la comprendre. Parce que il est très difficile de se comprendre au-delà de nous-mêmes. Tout ce qu'on vit avec une autre personne est traduit par notre corps et notre cerveau selon ce que moi je ressens. Et je dois être capable, avec la coopération, d'aller chercher ce que l'autre, les autres, ressentent en me mettant à leur place et en essayant de comprendre pourquoi ils agissent d'une telle manière et de comment ils agissent. À partir de là, je peux commencer à travailler. Je vois la coopération comme pas seulement ce qui unit des personnes, mais la compréhension d'une systémie. Je vous donne un exemple. Vous allez dans un magasin, vous achetez un paquet de café ou une plaque de chocolat. Vous la mettez dans votre caddie, vous allez la payer. Combien de fois vous vous posez la question de ce qu'a impliqué en termes humains et systémiques cette plaque de chocolat ou ce paquet de café? Le nombre de personnes qui ont dû travailler, agir, déplacer, faire des efforts, le nombre de véhicules nécessaires, le nombre d'unités d'énergie nécessaires pour que ce paquet soit arrivé à moi et que je puisse boire un splendide de café ou manger un carré de chocolat chez moi. Quand on commence à avoir cette envie de coopération, on commence à se dire « mais en fait, j'ai ce café » parce que je coopère un petit peu avec la personne qui a cueilli les graines de café, qui l'a torréfié, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, on crée autre chose, parce que ce n'est plus un simple paquet de café, c'est une chaîne qui s'est créée entre eux et moi, et donc je suis obligé de me dire, est-ce que pour que ce café soit là, ces personnes ont été bien traitées? Est-ce qu'elles ont une vie décente? Est-ce qu'elles comprennent ce qu'elles font par rapport à ce que moi je vais pouvoir faire ensuite? Sinon, alors je dois agir différemment. En fait, on lui redonne aussi au produit, au service, sa vraie valeur. On redonne une vraie valeur au produit, au service, à la nature. Et je dois me poser la question de l'équilibre, tout simplement. Est-ce que ce que je fais, moi, crée ou détruit plus que ce que je ne fais, que si je ne le faisais pas?
Voilà. Et si je détruis plus que ce qui est normal en faisant, alors je dois peut-être me poser la question de ce que je fais. Avec toute cette conscience ensuite de la vitesse, de l'accélération, on veut toujours aller plus vite, mais sauf que pour aller plus vite, il faut dépenser plus d'énergie, de force, de puissance. Bref, on peut à ce moment-là commencer à redéfinir un peu notre rapport au temps, notre rapport aux autres, notre rapport à la nature, parce qu'on ne cherche plus simplement à s'en servir, mais à coopérer avec. Cette notion du temps, elle revient souvent dans vos écrits, l'expérience que vous avez faite dernièrement, c'est une expérience de temps. Ouais. Comment est-ce que vous l'approchez, cette notion? Le temps, ça nous définit toutes et tous. Il n'y a personne qui n'est pas touché par une notion temporelle. Et le temps, c'est tout ce qu'on est en tant qu'humain. On définit notre espace, notre vie, notre manière de faire en fonction du temps qu'on est prêt à consacrer aux choses. Et notre volonté très moderne, hein, ça fait seulement quelques décennies, qu'on pense qu'il faut aller de plus en plus vite. On avait la 3G, il faut absolument la 4G, puis la 5G, on est déjà en train de préparer la 6G. Bon, moi je me déplace, je mettais une journée pour aller d'un point A à un point B, mais maintenant je veux que le train il aille beaucoup plus vite, et puis si le train va pas assez vite, je vais prendre l'avion. Enfin, on a cette volonté de toujours aller plus vite. Et ça, c'est évidemment extrêmement délétère, puisqu'encore une fois, on ne peut pas aller plus vite sans consommer plus. Ça, c'est une corrélation absolument absolue. Donc ça, c'est le premier rapport au temps, c'est se réapproprier un temps qui correspond à une réalité environnementale. Ensuite, le deuxième temps nécessaire, c'est ce fameux temps de l'adaptation. Quand j'entends des gens me dire, il suffit de changer, ah mais c'est incroyable, les gens, ils savent qu'il y a un problème, mais ils ne changent pas. Ben oui, mais ils ne peuvent pas changer en un claquement de doigts. Le changement, ça prend un peu de temps, ça demande des étapes, ça fait des fois ça va bien, des fois on tombe, on est en dépression, on n'y arrive plus, et puis il y a quelqu'un qui me prend par la main, puis je reconstruis. C'est ça, le changement. C'est pas linéaire, c'est pas un truc qui suffit de. C'est tout un parcours. Et ce temps-là, il faut aussi l'accepter. Puis ensuite, il y a le temps qu'on accorde à s'éduquer, à se former, à se comprendre, à comprendre l'autre. Et si ces trois temps-là ne sont pas respectés, la capacité de changer en tant qu'humain n'existe pas. Dans la notion de coopération, il y a une autre notion qui apparaît, qui c'est du confort. C'est-à-dire finalement, si je rentre dans une logique de coopération avec un tiers, il y a deux choses qui sont assez flagrantes, c'est reprendre l'autre, donc on est dans des logiques de diversité, d'inclusion, quelles qu'elles soient, Bien sûr. et deux, sortir de ma propre zone de confort, c'est-à-dire de mes a priori, de mes postulats, finalement de ma certitude sur ce qui m'entoure, sur le monde. Est-ce que ces deux enjeux-là, c'est pas des vrais efforts à faire? Si, si, c'est des efforts. Vous l'avez dit à l'instant, la notion de sortir de ma zone de confort, c'est un effort adaptatif. Je vais aller voir l'autre personne qui n'est pas comme moi, que je ne comprendrai d'ailleurs peut-être jamais. Il faut aussi l'accepter. Mais je fais l'effort d'essayer d'aller la rencontrer pour voir qui elle est. Et quand on fait ça, on constate quand même qu'il y a quelques données, quelques notions qui unissent tous les humains, partout. Je ne vais pas parler du micro-pourcentage de personnes qui sont vraiment des gens sur des agendas de négativité, des terrorismes, des choses comme ça. Bon. Mais ça représente un tout petit micro-pourcentage de la population. Tout le reste de la population, et peut-être même ces personnes-là d'ailleurs, si on les prend différemment, qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles cherchent à avoir le droit de vivre dans un contexte où elles se sentent suffisamment rassurées et en équilibre. Elles cherchent à pouvoir rire. Parce que le rire est un propre absolu de l'humain, ça on le sait, mais on le confirme partout. J'ai été dans beaucoup d'endroits du monde, alors je sais, on pourra me dire, mais vous avez beaucoup voyagé, et vous dites aujourd'hui, il ne faut pas trop voyager. Non, je pense qu'il faut continuer d'aller voir l'autre. Hein. Je prends l'exemple tout simple de l'Iran, où j'ai été plusieurs fois, où tout le monde me disait, mais l'Iran, c'est le pays de Satan, c'est horrible et tout, c'est le pire pays du monde. Je n'ai jamais été accueilli aussi bien qu'en Iran, parce qu'on apprend à faire la distinction, et je devrais le faire pour tous les pays, entre la population, qui, elle, veut juste vivre, et effectivement, un gouvernement qui, lui, est délétère et a une vision destructrice. Et c'est vrai partout. Donc, on doit savoir faire cette part des choses. On doit savoir aller voir, rencontrer, parler. Et là, on constate que, mais ce que veulent les gens, c'est pas détruire l'autre, c'est trouver une place dans laquelle la personne est bien. Malheureusement, parfois, on a l'impression que pour trouver cette place, on doit enlever les autres. C'est ça l'erreur qu'on commet. Il n'y a jamais besoin d'enlever l'autre. La planète, elle est vaste, il y a de la place pour tout le monde, il y a de quoi faire en sorte que chacun y trouve une place. Et donc, notre travail, ce n'est pas d'aller enlever l'autre pour se sentir bien, c'est au contraire faire avec l'autre pour se sentir ensemble.
On a parlé d'émotion, de temps. Si on doit résumer les grandes mécaniques, enfin des grandes clés fondamentales de l'adaptation humaine, ce serait lesquelles? La première grande clé, je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est vraiment l'acceptation, de prendre les choses comme elles sont. Je dois considérer ce que je vis. Nous passons notre temps à nous dire si ça avait été différent, si on n'avait pas pris cette décision. Mais ça ne sert à rien. La chose, elle est maintenant. Elle est ce qu'elle est. Je travaille dessus. Tout le temps que je perds à me dire ce que j'aurais dû avoir ou ce que j'aurais aimé avoir ou ce qu'on aurait dû faire, si, c'est du temps perdu qui ne sert à rien et sur lequel on ne peut pas construire le futur. Donc la première chose, c'est vraiment quelle est ma condition réelle. Sur ça, je construis. Il y a eu des erreurs avant, sans doute. OK, mais je ne peux pas changer le passé. Je peux changer l'avenir. Donc ça, c'est la première clé fondamentale. La deuxième clé, elle est évidente, c'est l'éducation. On change un pays en quelques années en changeant son système éducatif. Le Rwanda l'a fait, la Finlande l'a fait, à sa manière, la Corée du Sud à l'époque, mais malheureusement, ça n'a pas donné que du bien. Mais néanmoins, la Corée du Sud, qui était 11e mondiale, est passée 11e mondiale en termes d'économie par un changement éducatif. Alors, encore une fois, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses négatives là-dedans, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On peut changer un pays avec l'éducation. Donc l'éducation, le temps, l'acceptation du temps, l'acceptation de se réapproprier notre temps, qu'on n'a pas besoin d'avoir tout en 2 heures chez soi, qu'on peut attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, et ainsi de suite, qu'on peut repasser du temps avec les autres, et que peut-être que c'est aussi important que de passer un temps à jouer à un jeu vidéo, par exemple, sans du tout critiquer les jeux vidéo. Le temps. Et puis, il y a ces choses fondamentale que on oublie et que pourtant tout humain ressent, c'est les émotions et parmi elles, l'émerveillement. Il faut s'émerveiller. Et c'est dur, parfois, sur notre monde actuel, avec tout ce qui se passe, avec les difficultés, que ce soit les guerres, les doutes, les peurs du futur, la situation politique qui ne nous convient pas, la situation économique qui peut-être n'est pas celle qu'on aurait voulu. Mais dans tous ces cas-là, même quand c'est difficile, il faut se forcer à aller chercher des émerveillements, des choses qui nous font du bien, parce que c'est une mécanique cognitive. Le cerveau, plus il travaille sur la négativité, plus il va devenir négatif. C'est basique. Donc, à la négativité qui existe, qu'on ne peut pas nier, hein, moi je ne suis pas en train de dire « il suffirait de, vous mettez des petites fleurs, vous allez voir, c'est joli, tout ira mieux ». Non, ce n'est pas ça. Il y a des vrais problèmes, il y a des vrais enjeux, il y a des vrais doutes, il y a des vraies douleurs, il y a des vraies peurs. Mais même dans ces douleurs et ces peurs, il faut essayer d'aller chercher les petites choses qui nous font du bien. Une amie ou un ami qu'on va voir, un parent, une belle architecture qui nous plaît, un tableau, une musique, quoi que ce soit. Et construire dessus. Pas juste écouter ou voir, mais le faire souvent, plusieurs fois par jour, tous les jours. Et c'est cette reconstruction par les choses qui nous font du bien qui petit à petit nous redonne une capacité de voir le futur de manière un peu plus positive. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on n'enseigne pas aujourd'hui, la notion des émotions. Et pourtant, elle est fondamentalement basique pour que notre cerveau soit capable de construire une vision positive versus une vision où tout est négatif. C'est redonner sa place au beau. C'est redonner sa place au beau. Et au-delà du beau, à ce qui nous fait du bien. Parce que ce qui nous fait du bien peut être quelque chose de moins beau. Je dirais, la notion de beau est très subjective. Subjective. Vous avez raison. Mais en tout cas, ce qui nous fait du bien est ce simple contact à l'autre. Je ne sais pas si ce sera le mot de la fin, mais parce que je pense qu'on pourrait encore parler pendant des heures, mais il n'est rien à aucun moment dans toutes les études que j'ai menées, et j'ai mené des études sur le terrain avec des personnes physiquement dans des tas de conditions, que ce soit dans des déserts, que ce soit dans des catastrophes climatiques, que ce soit malheureusement dans des moments de guerre difficile. Bref, dans des tas d'endroits où j'ai vu des humains agir, à chaque fois que j'ai vu des humains coopérer, faire ensemble, j'ai vu des solutions se créer et extraordinaires. Donc, ce n'est pas un vain mot, la coopération. Nous sommes des animaux sociaux. Nous n'avons rien créé dans notre histoire, rien par des individus isolés. Même les grands génies comme Einstein qui ont résolu la théorie de la relativité jusqu'à un certain point, ne l'a pas fait seul. Il est le fruit d'un parcours scientifique, physique, intellectuel, de discussions avec plein d'autres, de réunions scientifiques. Et puis il y a cette émergence tout d'un coup d'effectivement peut-être un ou une génie. Une épiphanie. Mais ce n'est que la résultante d'une immense coopération qui s'est créée avant ça. Donc il n'est pas de création
sans coopération. Et je dirais la première chose qu'on doit créer parmi toutes les clés dont je viens de parler, c'est le vivre ensemble. Il y a dans tout ce que vous dites, si je me mets moi à la place d'individu du quotidien, dans mon quotidien, ce que j'entends aussi, c'est m'autoriser. C'est-à-dire, on est quand même dans une société qui est très cérébrale. M'autoriser à entendre mon corps, m'autoriser à aller rencontrer les gens. Et combien de fois on s'est dit, tiens, je devrais peut-être l'appeler et j'oublie, je passe à autre chose. Combien de fois on s'est dit, je pourrais rester chez moi ou sortir, mais il pleut, donc je n'ai pas trop envie de... Et en fait, ce que j'entends dans ce que vous dites, ce qui sont des petites choses du quotidien, c'est s'autoriser à des expériences les plus simples possibles, même vous caricaturiez tout à l'heure, c'est pas avec une petite fleur, mais et pourquoi pas, en fait. Et pourquoi pas, bien sûr. Et j'ai l'impression, en fait, que s'il y avait quelque chose à donner, un conseil à donner qui est le plus simple possible dans cette dynamique d'acceptation qui provoque ensuite toute la partie d'adaptation, c'est de s'autoriser à vivre des moments qui sont des moments simples et peut-être émerveilleux. Oui, émerveilleux. Je suis d'accord avec vous, il faut s'autoriser, mais alors, il y a cette petite nuance qu'il faut pas oublier derrière, c'est qu'il faut aussi en faire l'effort de s'autoriser. Vous l'avez dit, il pleut, j'ai pas envie de sortir. Donc, je ne sors pas. Donc, pour m'autoriser à sortir, même s'il pleut, c'est un petit effort. Je veux dire, bon ben, ça va faire quoi si je suis mouillé ? C'est peut-être pas dramatique quand même. Je peux mettre un ciré, je peux prendre un parapluie, enfin, j'ai plein de solutions. Et c'est vrai pour chaque petite chose de la vie. Pourquoi on n'appelle pas la personne qu'on aime ou les parents, alors qu'on devrait le faire beaucoup plus souvent ? Parce qu'encore une fois, c'est ce lien. Et donc, il va falloir retrouver un petit peu ce goût de l'effort, de faire le pas. Parce que seul l'acte permet de faire évoluer et recréer la confiance. L'acte. Et encore une fois, on peut avoir de l'espoir, on peut vouloir la confiance. Elle ne se crée que parce que je vois l'acte. Je vous donne un truc tout simple, hein, dans le cerveau. Si je vous demande, faites-moi confiance, jamais le cerveau vous fera confiance. Parce que ça veut dire que tu n'as pas montré la raison de te faire confiance. Donc, on doit, la confiance se crée par l'acte. Et de voir les autres agir me donne envie d'agir. Donc, c'est vraiment recréer ces actions du quotidien et, comme vous dites, se donner cette autorisation de le faire et essayer. Quand j'étais enfant, moi, on disait la curiosité est un vilain défaut. Mais je pense que si je retrouvais des gens qui me disaient ça aujourd'hui, et pourtant je ne suis pas un humain violent, mais j'aurais envie de les étrangler au moment où ils disent ça, tellement c'est la pire des notions, le pire des concepts qu'on puisse donner à un enfant. Au contraire, bon sang, enfant, adulte, soyez curieux, allez toucher, allez sentir, allez voir, déplacez-vous, allez à la rencontre des autres, allez voir des expositions, allez écouter de la musique, et faites-le pas seulement une fois de temps en temps, le plus souvent possible. Et même si vous avez peu de temps et que vous n'aimez pas le travail que vous faites, parce que tous les jours vous allez au travail et que vous n'aimez pas ce que vous faites, je le comprends. Je veux dire, il y a des tas de gens qui font un travail, ils ne sont pas heureux de leur travail, ils n'ont pas choisi de travailler dans certaines conditions. Mais là encore, on doit chercher à créer quelque chose avec les autres, avec ses collègues. Et d'ailleurs, peut-être que dans... Je discutais pas très longtemps avec quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans une manufacture, dans un travail assez difficile, mais elle me racontait la joie et le rire qu'il y avait dans cet atelier où tout le monde rigolait ensemble. Et finalement, ce sont des gens qui vivaient peut-être pas si mal parce qu'ils avaient ce lien. Moi, j'entends plus de rire dans les ateliers aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être la pire des choses qu'on a fait de nos sociétés, c'est d'enlever la capacité à une personne qui travaille peut-être dans des conditions difficiles d'avoir le droit au rire. On doit se réautoriser ces choses-là, effectivement. Merci Christian Clot. Je vais également citer deux autres ouvrages que vous avez publiés récemment aux éditions Robert Laffont, Deep Time, 40 jours sous terre, et également Au cœur des extrêmes, braver les milieux les plus hostiles de la planète pour éprouver les capacités humaines d'adaptation chez Robert Laffont et chez Pocket. Et puis, il y a un autre ouvrage que vous faites, que vous avez fait, par moi, qui m'a donné beaucoup de plaisir. C'est une série de bandes dessinées sur l'histoire de Magellan. Et je vous conseille très fortement de découvrir cette BD. Merci beaucoup, Christian. Merci. Et puis, je profite pour terminer, puisqu'on est ensemble, pour dire qu'au moment où cette émission va sortir, il y a un projet qui va commencer à tourner en France, qui s'appelle le Climate Sense. Je vous parlais de micro-expériences pour faire vivre les choses aux gens et leur donner envie de bouger. C'est ce qu'on va faire. On a une chambre climatique qui va tourner en France
pour faire vivre le climat du futur de manière physique et réelle aux personnes qui seront dans cette chambre climatique, le climat de 2050. Et quand on le vit, ne serait-ce que 30 minutes, quand on en sort, on se dit « Où est-ce que j'agis maintenant ?» Merci Christian. Merci.